Hey, what's up les potes? Bienvenue voilà, sur cette vidéo. On se retrouve encore pour un tuto sur Zetsubou Noshima. Comment accéder au pack à punch? Donc vous voyez, la porte est fermée. On peut pas du tout y accéder. Et en fait, si vous mettez ici, il y a une pièce supplémentaire qui est requise. Donc même chose pour ici. Vous voyez, pièce supplémentaire requise. Et même chose pour ici. Donc en fait, vous pouvez voir qu'en face de chacune espèce de truc activé là, il y a une porte en fait. Vous voyez? Et bien en fait, les pièces vont être à récupérer dans chacune des zones. Donc bien évidemment, là, on a déjà ouvert la zone. Donc je vous conseille de faire pas mal de points parce que les portes coûtent assez cher. Donc c'est parti, on va récupérer les pièces. Donc je commence en direct, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc pour cette pièce-ci, vous venez ici sous l'eau. Et en fait, on va retrouver la pièce juste ici. Voilà, on maintient la pièce, voilà, c'est la petite valve. On a récupéré la première pièce qu'on va aller placer juste là-bas. Donc bien évidemment, faudra mettre l'eau courant avant de faire cette étape. Voilà. Au moins pour que la grille soit ouverte. Alors pour la deuxième pièce qui est dans la zone juste ici, je vous remonte, là je suis parti à droite. Voilà, pour cette pièce là, on va partir ici. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que quand vous approchez ici des... Et ben voilà, vous cutez en fait, et vous tuez le zombie. Et en fait, il y a un des zombies qui va lâcher la pièce nécessaire. Donc on continue à cuter les cocons comme ça. Hop, on va cuter celui-là. Et le dernier qui est ici. Et voilà, donc on a récupéré la pièce ici, vous voyez, donc c'était bien dans le dernier cocon. Donc faites bien attention à bien cutter tous ceux qui sont en bas, mais il y en a également 4 en haut autour ici, donc vérifie bien de bien les cutter. Et du coup, on va aller placer, hop, la pièce juste ici, voilà. Et du coup, il manque cette dernière pièce qui va ici. Et donc là, on va descendre tout simplement tout au fond. Hop, on va descendre ici tout en bas. Vous descendez, tac. Ici, on prend directement à droite. Donc là, il y a une porte, faudra bien la payer. Donc on va rentrer dans ce tunnel ici. Attention de ne pas se noyer, les gars. C'est vrai, faut vraiment, vraiment faire attention. Vous pouvez reprendre votre souffle. Comme ça, il y a des petites zones ou sinon, il y a des petites bulles à casser. Voilà. Et donc la pièce se trouve dans cette zone-ci, juste ici. Donc là, je l'ai déjà pris, mais elle se trouve juste ici sur la gauche. Donc voilà, faut bien faire attention de ne pas vous noyer. Je vous conseille vraiment de faire attention à reprendre votre souffle. Et donc, allez, c'est parti. On va aller la poser. Je me suis planté de côté. On peut vraiment se perdre aussi. Alors là, vous voyez, on reprend son souffle. Tac. Et on repart et on ressort. Voilà. Et du coup, là, donc c'était la roue. On a bien récupéré la roue qui est au milieu. Vous voyez, machine, outil, c'était bien la roue rouge qui est en bas. Et du coup, on va juste simplement venir poser la petite roue rouge. Tac. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Et le pack à punch s'ouvre. Et voilà, vous avez accès au pack à punch. Alors, je vous montre à l'écran directement un gameplay. Dans une autre partie, j'ai déjà amélioré les Mustangs. Enfin, les anciens Mustangs. Vous voyez franchement que le skin des armes, il est vraiment très joli. Il passe vraiment très très bien avec cette map. En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto vous a fait plaisir, qu'il vous servira dans cette map. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous servir. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss.